Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Cette semaine, Angèle, de Marcel Pagnol, d'après Un de Beaumung de Jean Giono, avec Fernandel, Orane de Mazy, Jean Servet, Henri Poupon. Pas un seul instant, bien entendu, je n'essaierai de vous persuader qu'Angèle est un film récent. Ce serait tout à fait inutile, tout le monde le connaît. Mais alors direz-vous, pourquoi nous parler d'un vieux film? Pourquoi? Eh bien d'abord parce que, comme je vous le disais récemment, à Paris nous sommes en pleine période de vacances, aussi bien dans le domaine du cinéma que dans tous les autres. Et ensuite parce qu'une salle des boulevards donne en ce moment un festival Pagnol, et qu'à mon avis, Angèle est jusqu'à présent le meilleur film qu'ait réalisé notre nouvel académicien. En effet, peu d'œuvres cinématographiques résistent à l'épreuve du temps. Or, projetée quelques 10 ans plus tard, Angèle tient admirablement le coup, comme on dit. Et cela est dû sans doute à l'extrême simplicité des moyens techniques employés, au milieu paysan où se situe l'action et qui ne se démode pas, enfin au caractère éternel du thème, la jeune fille séduite revenant fille-mère au foyer des parents déchirée de douleur et de honte. Tous ceux qui ont vu le film se souviennent de l'extraordinaire valet de ferme, un peu fada, campé par Fernandel. À 10 ans de distance, apparaît avec évidence que ce fut là le meilleur rôle qu'il ait jusqu'à présent tenu dans sa carrière. Et l'on regrette qu'il ne soit pas toujours employé au mieux par les metteurs en scène qui le dirigent. Une petite ferme, une toute petite ferme de Provence, qu'exploite seul avec son valet Saturnin, maître Clarius Barbaro. Saturnin, enfant de l'assistance publique, a été placé très jeune chez Clarius et Philomène Barbaro. Aussi des liens d'affection quasi fraternels, l'unifient à Angèle, la fille de la maison. Pour elle, rien ne saurait être trop beau. Elle est en âge de se marier, mais aucun des jeunes paysans des environs ne saurait être digne de l'épouser. Ce qu'il lui faut, pense Saturnin, c'est un garçon de la ville, un monsieur. Et voilà justement qu'un jour où Angèle va au village et qu'elle passe devant la terrasse du petit café... C'est une poupée comme ça qu'il me faudrait à moi. Tu es pas dégoûté, toi. Cette fille-là, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne gagnes pas assez pour la nourrir. Oh, pauvre Santor. Mais c'est pas pour la nourrir que je la voudrais. Ça serait plutôt pour qu'elle me nourrisse. Dis donc, il est jeune, le gars de la montagne, hein. Cette cochonnerie de travail, ces tracteurs, ça pue. Ça fait trop de bruit, ça, c'est pas fait pour moi, hein, non. C'est pas une vie. Il faut être l'andouille, né de l'andouille pour s'accoutumer. C'est bon pour toi. Et moi, je suis de la martiale, je sais nager. Ce qu'il me faudrait, tu vois, c'est une femelle dans le genre de celle-là. Ça, mon vieux, c'est de l'or. Tu payerais pour 500 balles de francs et d'étalage, des dessous d'attaque, un promenoir à l'Alcazar, et aller jouer au boulot, un jour dans l'autre. Ça te rapporterait dans les 300 balles, tu pourrais payer. Et le gars de la ville, qui se fait des accroche-cœurs et se parfume à bon marché, obtient de la jeune fille un rendez-vous le soir, derrière la ferme paternelle. Je vous dis, mademoiselle, parce que je ne sais pas votre nom. Mais il n'est pas joli, mon nom. C'est Marguerite? Non. Lucienne? Non. Marie? Alors c'est Joséphine. Angèle. Angèle? Et vous dites qu'il n'est pas joli? Mais dites, c'est un joli nom, Angèle, vous savez. Vous, vous ne le voyez pas parce que vous en avez l'habitude. Et moi, je le trouve merveilleux. Angèle. Moi, je m'appelle Louis. J'ai un cousin qui s'appelle Louis. C'est un nom qui vous plaît? Oh, vous savez, le nom des hommes, ils se ressemblent tous.
Adieu, monsieur Louis. Et ne revenez plus ici pour me faire des misères. Si moi, je vous fais des misères... Oh, je ne dis pas que vous m'en faites, mais vous voudriez bien m'en faire. Alors, adieu. Alors, adieu. C'est pour toujours. Mon père, mais Dieu garde, s'il le voit. Mais baissez-vous. C'est un beau parleur, Louis. Et les jeunes filles ne demandent qu'une chose, croire les paroles d'amour qu'on leur dit. Angèle s'est laissée séduire. Elle doit rejoindre lui pour partir avec lui à la ville. Mais Albin, un garçon de Beaumune, un village sur le plateau, un de ceux qui se trouvait à la terrasse du café lorsqu'est passée Angèle, essaie de la retenir. Angèle, je vous en supplie, ne partez pas. Ce Louis est un mauvais homme. Rien de bon ne vient de la ville. Le malheur vous attend. Et qui vous êtes ? Un qui vous aime. Un paysan de la montagne. Ne partez pas, Angèle, réfléchissez. J'ai réfléchi, laissez-moi partir. Angèle, cet homme est mauvais. Il ne vous aime pas. Il ne sait pas aimer. C'est un voyou. Ça n'a pas de sentiment. Ça n'a rien. Angèle, pensez à la mère. Pensez à la mère qui va pleurer. Pense au bon Dieu qui te regarde. Regarde les étoiles du ciel. Regarde ta ferme. Ne jette pas ta vie. Angèle, ce n'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour toi. Non, tu pleures. Tu pleures. Tu vois, j'ai gagné. J'ai gagné, tu as compris. Je te remercie de ce que tu m'as dit. Mais c'est trop tard. Trop tard. Angèle s'enfuit avec Louis. Et la tristesse s'installe à la ferme. Des mois passent sans apporter de nouvelles. Un jour, sur la place du village, Saturnin rencontre le rémouleur. Angèle est où elle est? Je l'ai vue, je lui ai parlé. Oh, Tonin, que tu es beau, que tu as une belle figure. Vite, de Tonin, où elle est? À Marseille. Je m'en doutais. Et comment tu l'as vue? Ah, ben écoute, je suis été à Marseille le mois dernier pour faire mes 28 jours de mon service militaire. Tu me comprends? Oui. Et alors, un soir que je passais dans une petite rue des vieux quartiers, tout d'un coup, je vois une jeune femme qui m'appelle. Je vais pour lui parler, c'était elle. Elle t'avait reconnu? Non, elle ne m'avait pas reconnu. Alors pourquoi elle t'a appelé si elle t'avait pas reconnu? Je sais pas. Par exemple, alors elle t'avait pas reconnu et elle t'a appelé comme ça dans la rue? Justement, il faut que Saturnin descende à Marseille pour acheter des outils et des semences. Il met son beau costume des jours de fête, son chapeau de paille, une cravate et se rend à la ville. Ses achats faits, Saturnin se rend à l'hôtel où demeure Angèle, dans la vieille ville. Ah, tu vois, je suis ici. C'est joli. Non, ici, c'est ta chambre. Oui. Et l'appartement, il est grand? Quel appartement? Celui où tu habites. Mais je suis ici, Saturnin. J'habite ici. Joli, c'est pas grand, mais c'est joli. Et ton mari, il n'est pas ici? Il est à son bureau, peut-être. J'ai pas de mari. Hein? Non. Tu vois, Saturnin, j'ai pas de mari. J'ai un enfant. Alors cet enfant, il a pas de père? Il a pas de père. Oh, pour dire... Quelle nouvelle, hein? Alors? C'est une nouvelle, hein? Et où il est, celui qui l'a fait? Peut-être loin. C'était un marin du Nord, tout blond. Il ne parlait même pas français. Je crois que c'est le père, parce que mon petit lui ressemble. Et encore, je ne suis pas sûre qu'il lui ressemble à ce marin. Je l'ai si peu vu. Un soir, il passait là. Tu vois, Saturnin, voilà ce que je suis. Une fille des rues. Et alors, demoiselle, qu'est-ce que tu manges? Tu te souviens, Mérargue? Le café de Madame Lucien. Bien sûr, tu m'en rappelles. Tu te souviens de Madame Lucien et ses servants? Oui. Tu sais ce qu'elle faisait pour gagner des sous. Non, demoiselle, ne dis pas des choses comme ça. Tu sais bien, surtout toi, c'est pas convenable. C'est ça ce que je fais, Saturnin. C'est ça mon métier. On ne dit pas ça, ne dit pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais par malheur, c'est vrai. Saturnin a ramené la jeune femme et son bébé.
mais l'accueil que lui réserve Clarius, son père, rongé par la honte de sa fille unique, n'est pas très engageant. À qui c'est ce petit ? À moi, père. À toi, seul ? À moi, seul. Maintenant, au moins, nous savons qu'il ne peut rien nous arriver de pire. C'est un grand malheur que tu sois parti. De notre malheur que tu sois revenu, c'est un malheur encore plus affreux que tu as porté ce bastion. Je ne demande pas d'explication. Cet enfant, je ne le veux pas. Il n'est pas de chez nous. Si tu l'avais fait comme on doit le faire, ça serait été pour cette maison le plus beau cadeau du bon Dieu. Mais de la façon que tu l'as fait, c'est rien de notre malheur qui respire. C'est une honte qui bouge et qui crie. Maintenant tu es revenu de maigre, de sale, à dépose-toi. Tu l'as voulu. Si tu veux partir, va-t'en. Si tu veux rester ici, je veux bien vous nourrir tous les deux. Mais en secret. Ce que je t'offre, c'est pas une maison. C'est une cachette. C'est de ça que tu as besoin. Allez, dis si tu veux rester. Oui, Clarius. Elle veut rester. Alors enferme-la dans la cave de derrière et rapportez-moi les clés. Souvenez-vous qu'il faut que personne ne connaisse cette honte qui nous vient de la ville. La honte, cela se cache aux yeux des autres. L'objet du déshonneur, on ne le laisse pas paraître. Angèle et le bébé sont enfermés dans la cave. Clarius, que son chagrin empoisonne, devient irascible, mauvais. Maman Philomène se désespère et se tait. Comble de malchance, Clarius s'est blessé au bras et c'est l'époque des foulaisons. Il faut bien accepter d'engager Amédée, un valet qui est venu proposer ses services. Pourtant, le fermier ne laisse plus approcher personne de la maison depuis que sa fille est enfermée dans la cave. Or, Amédée n'est pas venu pour rien. Il est venu envoyé par Albin pour savoir ce qu'était devenu Angèle, car le jeune homme ne l'a pas oublié. Et quand Anne Beaumung aime une fille, c'est pour le sérieux, pour le mariage. Dis donc. Oui. Dans quoi tu déjeunes, toi, le matin? Dans quoi je déjeune? Oui, dis un peu, qu'est-ce que tu prends? Du café au lait dans une tasse, hein? Non, mais tu me vois en train de manger du café au lait, hein? Non, moi, c'est une habitude de jeunesse. Je bois un grand verre de vin et je prends une bonne chic. C'est très bon pour l'estomac. Et le patron, dans quoi il déjeune? Ah, lui, il prend quelque chose de fort, comme qui dirait un oignon sauvage, une anchois ou un peu de fromage de cacha. La maman Philomène, elle, c'est dans un grand bol en faïence. Et qu'est-ce qu'il mange dans la petite tasse bleue, Saturnine? C'est toi, Bédé, travaillons, hein. Eh bien, moi, je vais te le dire, tu sais. Non, Médé, ne le dis pas, ne le dis pas. C'est Angèle, c'est la fille, elle est ici. Tu viens peut-être pour la chercher? Peut-être je viens la chercher. Tu viens de Marseille? Tu viens de Marseille? Non, je viens pas de Marseille. Non, je viens la chercher. Mais c'est pas pour un salope barbeau du vieux port. C'est pas pour une bordille pourrie. Moi, c'est pour un de la montagne. Un grand, qui pense à elle depuis longtemps. Un grand qui la veut. Albin est venu chercher celle qu'il aime. Il les a emmenés tous les deux, elle et le petit. Mais en chemin, il s'arrête. Albin ne veut pas emmener en cachette celle qui sera sa femme, comme un voleur. Il lui faut le consentement du père. Ils reviennent à la ferme. Elle a fait le mal, mais qu'est-ce qu'il en reste? Un petit enfant qui dort en riant. Il en reste aussi que nous le savons. Oublions la faute, il n'y en a plus. Ça, ce sera trop facile. Tout le monde ferait le mal et personne ne sera puni. Mais ce n'est pas à nous de punir. Qui vous êtes-vous pour juger? Elle a mal fait, mais vous avez fait plus mal encore. Moi? Il faut avoir le cœur gâté pour enfermer un petit enfant dans une cave. C'est pas un enfant, c'est un bâtard. Mais qu'il le soit pour tout le monde. S'il l'est pour son grand-père, c'est le grand-père qui est le bâtard.
Tu le penses, ce que tu dis? Oui. Maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Et patience, il va réfléchir. À quoi ça sert de réfléchir? À quoi ça sert, je me le demande. Et ça, c'est la fierté qui veut ça. Et je le comprends, cet homme. Et tout va s'arranger, on a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a même pas regardé l'enfant. Et le matin, à la place d'Angèle, il reste qu'un bout de papier. Et voilà. C'est la lettre qu'elle a laissée. Et puis un autre jour, la voilà qui revient et qui rapporte l'enfant. Un de ceux, ce qu'on ne peut pas faire voir à personne. Alors, mon pauvre Albin, je me suis senti que je devenais tout sale, tout noir. Il m'a semblé que j'étais plein de boue, comme quand on vient de curer le puits, tu sais. Je ne suis plus allé jusqu'au village. J'ai plus purché la terre parce qu'elle était plus propre que moi. Maître, donnez-moi cette tête. La voilà qui brûle. Angèle, Angèle, ça y est. Viens. Angèle, viens ici. Nous allons faire comme si c'était avant. Ah, si c'était possible. Mais c'est facile, vous allez voir. Angèle, donne-moi la main. Maître Clarius Barbaroux, j'ai vu votre fille un soir au village. Et depuis, j'en suis amoureux. Je lui ai parlé, nous sommes d'accord. Et je viens vous la demander. Cette émission, signée Jean Valvez, réalisée par Samy Simon, a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 juillet 1946.